Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons nos amis Lion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lion, n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Lion, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Bienvenue au nouveau, j'espère beaucoup que la chaîne vous plaira. Et je remercie énormément mes amis Lion qui me suivent déjà depuis un certain temps. Allez, on regarde tout de suite sur la période du 1er au 15 mars 2024. On va commencer avec l'oracle de Monsieur Béline. On ira ensuite chercher une guidance sentimentale avec l'Aliasqué. On partira sur une guidance professionnelle avec l'oracle W. Et on terminera par un message de vos anges. Allez, c'est parti, mes amis Lion. Sur la période donc du 1er au 15 mars 2024, qu'est-ce que tu peux leur dire, Monsieur Béline, à mes amis Lion? Alors, on commence ici avec l'étoile de l'homme. Donc ici, il va être question d'une énergie masculine. Il va falloir pour moi ici, mes amis Lion, vous mettre en action face à une décision, à une situation peut-être qui est bloquante. On me dit ici que vos énergies doivent être un peu plus dans l'action, qu'il va falloir vous positionner par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui bloque aujourd'hui dans votre vie, suite à cette décision qui n'est pas prise. L'énergie de l'homme peut vous représenter vous si vous êtes un homme, peut représenter l'homme le plus proche de vous ou tout simplement pour qui vous regardez la guidance. Mais en tout cas, cette énergie masculine ici, elle doit prendre une décision. Elle est face à un choix, face à une dualité et il va falloir vous positionner. On me dit ici, mes amis Lion, que vous allez découvrir des choses, que vous allez apprendre ici des choses, peut-être par rapport à cette situation, par rapport à une personne autour de vous. On me dit que vous allez découvrir des informations. Beaucoup d'intuition à venir ici pour mes amis Lion, beaucoup de connexion avec l'univers. Malgré tout, il y a des peurs. Il y a énormément de peurs par rapport à cette situation et c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué, que vous ne savez pas quelle décision prendre ici par rapport à ça. On me dit qu'il y a un changement. Il y a un changement ici très important qui va se produire justement peut-être par rapport à ces peurs, par rapport à cette décision, par rapport à ce que vous allez découvrir. C'est comme s'il y avait un secret qui allait être dévoilé, comme s'il y avait une information que vous n'aviez pas encore mais qui va vous parvenir et qui va vous aider à faire ce choix, qui va acter ce changement. Comme s'il y avait un conflit vraiment intérieur assez important, une instabilité, comme si vous étiez face vraiment à un choix très important. On me dit qu'il y a une élévation, beaucoup de partage, beaucoup de bonheur, que suite à ce dilemme quelque part que vous avez, à cette dualité intérieure, on me dit qu'il y a peut-être une union ici qui va pouvoir se former. Il y a une relation très importante autour de vous qui va pouvoir vous élever en fait avec des énergies beaucoup plus positives. On me parle ici de beaucoup d'équilibre, d'harmonie. On me dit qu'il y a une victoire par rapport à cette situation suite justement à ce que vous allez découvrir. On me dit que ça peut être une répétition de schéma, comme si cette situation s'était déjà présentée pour certains de mes amis Lion et que l'univers vous la représente pour que vous puissiez réellement trancher. Une décision très importante, vraiment. Ici, ça va être waouh pour atteindre la paix. Ici, ça va être quelque chose de... une énergie prédominante vraiment sur cette quinzaine, c'est-à-dire que vous allez être dans cette dualité. Il va falloir vraiment vous positionner. Pourquoi ? Pour atteindre la paix, pour atteindre l'harmonie, pour atteindre cette ligne d'arrivée que vous attendez tant. Comme si vous aviez un sac à dos rempli avec cette situation compliquée et que vous aviez envie de poser ce sac à dos, vous avez envie de poser cette situation, vous en avez marre en fait pour moi de réfléchir par rapport à ça. L'univers dit « Ok, il n'y a pas de souci, par contre il va falloir te positionner. » Pourquoi ? Parce que vous avez cette impression pour moi d'être emprisonné dans cette situation. Vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Vous avez l'impression de ne pas trouver l'issue, de ne pas trouver la voie, de ne pas trouver l'équilibre à l'intérieur de vous pour vraiment prendre cette décision. On me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur.
D'accord? Il faut vraiment, comme toute décision qu'il faut prendre, de toute façon, il ne faut jamais prendre une décision sur le coup des émotions. Donc, ni sur le coup d'émotions négatives, ni sur le coup d'émotions positives. Ça va dans les deux sens. Il faut vraiment trouver cet équilibre intérieur. Et pour ça, il faut sortir de la situation. Il faut sortir du cadre. Comme si la situation ne vous appartenait pas. Comme si c'était un ami qui avait cette situation. Et qu'est-ce que vous conseillerez à cet ami? Qu'est-ce que vous conseillerez de prendre comme décision en fonction des tenants et des aboutissants? On me dit pour certains de mes amis Lyon que vous avez cette sensation peut-être d'avoir perdu quelque chose, peut-être par le passé, par une relation, par une trahison, par des mensonges. On me dit que vous vous sentez emprisonné là-dedans et que vous avez du mal à vous en sortir. Vous avez peut-être l'impression que chaque personne que vous croisez va vous mentir ou va vous trahir. L'univers nous dit non, il y a une élévation, il y a une paix intérieure qui est possible à partir du moment où c'est vous qui l'actionnez. Pour certains, vous avez vraiment eu cette sensation qu'on vous a volé de l'énergie, qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être tout simplement, vraiment matériellement, on vous a volé quelque chose. Ou en tout cas, vous avez cette sensation-là. On me dit que suite à ça, 5, 6, 7, il y a quand même beaucoup de... Avec la carte des plaisirs, on a le chiffre 7 qui ressort ici. On me montre vraiment un souhait, un destin, comme si vous aviez fait des demandes à l'univers par rapport justement à cette situation complexe, par rapport à ce choix que vous devez faire, par rapport à cette dualité intérieure et ce sentiment de vous sentir emprisonné. Et ça a été écouté par l'univers parce qu'ici, on vous dit qu'il faut vraiment accéder à ces plaisirs. Il faut accéder à des moments de joie, à des moments de partage pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et accéder vraiment à une décision qui sera la plus juste possible. D'accord? Donc ici, il y a la possibilité de sortir de cet emprisonnement, de sortir de cette sensation de perte et de vol. On me dit ici que les choses vont évoluer, que les choses vont avancer. On a le chiffre 3, donc ça nous montre beaucoup de mouvement, de créativité, de célébration, de planification, de croissance par rapport à cette situation, mes amis Lyon. Et c'est hyper important ici par rapport à vos énergies parce que c'est votre action que vous allez poser, c'est par cette action que vous allez poser que les choses vont se déclencher, d'accord? Donc, vous êtes dans une controverse assez difficile, dans le sens où vous avez une décision à prendre, ok? Vous allez découvrir des choses, ok? On va vous donner des informations, l'univers va vous transmettre des informations pour pouvoir vous élever, pour pouvoir atteindre cet équilibre et surtout prendre plaisir dans certaines situations. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est comme s'il faut, vous occuper un petit peu plus de vous, voyez? Prendre un petit peu plus les choses à la légère dans le sens où arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous poser 36 000 questions sur des choses parfois où vous n'avez pas forcément la réponse ou c'est peut-être pas forcément le moment pour vous d'avoir cette réponse. Là, on nous parle vraiment d'un lâcher prise important. Vous avez fait le nécessaire. Vous faites le nécessaire pour avancer, pour débloquer cette situation. Ok, maintenant laissez le destin faire. Vous ne pouvez pas être dans le contrôle de chaque chose, vous ne pouvez pas être dans le contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie. Et c'est normal. Accédez à des moments de bien-être, à des moments de partage, à des moments de plaisir, parce que c'est là où les choses vont se décanter. C'est à partir du moment où vous allez lâcher prise. Waouh ! Est-ce que tu as autre chose pour mes amis Lyon, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15 mars ? Merci. Ouais, ok. Vous avez l'impression d'être emprisonné dans quelque chose où vous... C'est réellement ça. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que cette élévation, cette plénitude, cette paix, en fait, elle prend du retard. Pourquoi? Parce que vous vous sentez emprisonné dans quelque chose que vous ne contrôlez pas. Ici, pour moi, la carte de l'infortune, alors effectivement, ça peut être effectivement lié au financier. Il y a peut-être ici une situation qui vous bloque au niveau financier, qui vous bloque pour avancer, qui vous bloque pour être bien, pour être dans l'harmonie. Mais moi, ce que je ressens ici pour beaucoup de mes amis Lyon, c'est surtout que vous vous bloquez parce que vous avez l'impression de ne pas contrôler les choses. D'accord? Vous avez l'impression ici que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas toutes les informations et en fait, ça, c'est comme si ça vous crispait en fait un petit peu de l'intérieur. D'accord? Ici, les guides me disent que c'est ça qui prend du retard, que c'est ça qui fait que la situation prend du retard. Le lâcher prise va être vraiment l'énergie qu'il va falloir adopter sur cette quinzaine. Le lâcher prise, une fois que vous aurez pris votre décision, il faut mettre en action les choses. Faire ce que vous avez à faire par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport au domaine amical, sentimental ou autre, peu importe. Mais ensuite, laissez faire le divin. Laissez les énergies se mettre en place.
D'accord? Pour certains, on me dit ici effectivement qu'il y a une paix qui va être retrouvée justement par rapport peut-être à un problème financier. Il y a une élévation, il y a un équilibre qui va être retrouvé ici au niveau d'une somme d'argent peut-être que vous attendez, qu'on vous a peut-être volé ou que vous avez eu l'impression qu'on vous a volé. D'accord? Cette somme d'argent, pour moi, a pris du retard parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas débloqué, il y a une énergie qui ne circulait pas correctement. Vous allez découvrir des choses, vous allez écouter votre intuition et là, ça va se débloquer. D'accord? Donc, peu importe la situation, on peut nous parler du financier comme on peut aussi nous parler du sentimental, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque parce que vous allez lâcher prise. Waouh! Alors, on a le retard, on a l'union et on a la stérilité. Bon, bah, c'est très clairement ce que je viens de dire. Il y a une situation qui a pris du retard au niveau de l'équilibre, au niveau de l'harmonie, au niveau de la victoire, au niveau du succès. Peut-être parce qu'il y avait aussi quelque chose à travailler. Il y avait peut-être un attachement ici au niveau d'une personne qui était stérile, qui n'avançait pas. Une situation qui était bloquée. Et on me dit que ça a créé en fait ce retard parce que vous n'aviez pas de contrôle dessus. On me dit que c'était nécessaire pour votre évolution, pour votre transition ici qui va se produire. Pour moi ici, vous êtes en phase de transition, mes amis lions, et c'est une transition hyper importante pour votre abondance derrière. Vraiment. Ici, on a quand même la paix, hein. Je veux dire, l'élévation et la paix à côté, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que vous allez retrouver la paix sur une situation qui était complètement bloquée. Au niveau d'une relation sentimentale, il y a quelque chose peut-être qui n'avançait pas, quelque chose qui a pris du retard, la conscientisation peut-être de la relation, l'officialisation de la relation, ou tout simplement le fait d'être vraiment réellement en couple avec cette personne, ou bien alors de faire une rencontre au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui étaient nécessaires par rapport à votre vie. Waouh! Mes amis lions, c'est une très très belle guidance. En tout cas, si vous aviez des doutes sur ce déblocage, n'en ayez plus. Les choses avancent au timing divin, au timing qui est prévu, mais ça avance. Allez, on lâche prise mes amis lions. On est parti sur le domaine sentimental. Ok, je me doutais bien. Alors, on a l'élévation, on a le soleil et on a les énergies, exactement. Il y a une élévation, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de demandes, là ici, qui ont été faites au niveau sentimental pour mes amis lions vis-à-vis de vos guides, vis-à-vis de vos anges, vis-à-vis de l'univers. On me dit ici que c'est écouté, d'accord? Ça avance doucement, ok, ça avance sûrement. Ici, le 1, 2, 3 nous montre que les énergies avancent de façon juste. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie, d'accord? Il y a un souhait qui est en train de se réaliser. Il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau de l'univers, au niveau de la matérialisation de cette relation ou de cette rencontre que vous avez demandé. Pourquoi? Pour faire avancer les choses, pour être dans ce partage, pour être dans cette harmonie, pour être dans cet équilibre. Parfois, les guides sont en train de m'envoyer un message, c'est « cela vaut la peine d'attendre ». C'est exactement ça. Cela vaut la peine d'attendre pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur, pour pouvoir partager avec cette personne, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Parfois, il suffit d'un peu de patience, de lâcher prise, d'attendre quelque part que les énergies soient OK pour que tout se passe bien, mes amis. C'est juste magnifique. Waouh! Il y a ici un nouveau projet qui se met en place pour vous. Il y a une rencontre, il y a une décision qui va être prise au niveau émotionnel. Pour certains, il y a sans doute une naissance que vous allez célébrer ou en tout cas, vous allez apprendre que vous allez mettre un enfant au monde. C'est possible ici qu'on vous apprenne que vous êtes enceinte si vous êtes une femme. En tout cas, il y a le choix de partir vers le renouveau. Il y a ici une décision qui est prise très importante pour mes amis lions pour partir vers une nouvelle relation. Peut-être quitter un passé douloureux pour pouvoir avancer, retrouver cette joie, retrouver cette harmonie, retrouver cette élévation importante. Ou alors une très très belle rencontre pour certains. On me dit qu'il y a une évolution importante ici au niveau d'un couple. Il y a un couple ici qui va vraiment évoluer, un ou plusieurs. Ok. On me dit que les choses vont s'accélérer dans les semaines et les jours à venir. Waouh, c'est impressionnant. Alors attendez, je ressors mes cartes. Ok. Ok, il y a plusieurs possibilités qui vont arriver à vous ici, mes amis lions, sur le domaine sentimental.
On me dit qu'il y a eu un manque à un moment donné, peut-être que vous avez été dans des énergies assez négatives. Il y a eu ici des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été prononcées, qui n'ont pas été, comme s'il y avait des choses que... bon sang, je vais arriver à la mettre à l'endroit cette carte. Ok. Il y a des choses ici qui n'ont pas été dites. C'est comme si vous n'aviez pas osé peut-être dire les choses à votre partenaire ou à cette nouvelle rencontre ou à ce passé, comme si vous aviez vraiment... En fait, au moment de quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui ne dit rien, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui peut-être n'exprime pas ses sentiments. Et ça, ça va changer. Il y a des choses qui vont se mettre ici en évolution. Pourquoi ? Parce qu'il y a des possibilités que l'univers va vous présenter. Vous allez avoir la possibilité de mettre un nouveau projet en place. Vous allez avoir la possibilité de rencontre, la possibilité de faire évoluer un couple, de vous élever, de partager des moments très précieux avec cette personne ou cette nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. On me dit ici qu'il y a des communications à venir qui vont vraiment enclencher un changement important pour vous, mes amis Lions. On avait déjà cette sensation avec Monsieur Béline et là, au niveau sentimental, la communication va être primordiale. Pour mes amis Lions ici, il faut arrêter de ne rien dire. Il y a des choses ici que vous ne savez pas, ce qui a créé un manque, ce qui a créé une instabilité, ce qui a créé de la complexité au niveau de votre vie sentimentale, d'accord ? Que ce soit par le passé, par le présent ou des choses qui vont arriver là dans les jours à venir. Mais en tout cas, la communication va être importante pour pouvoir ouvrir des voies, pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir aller chercher ce succès et cette harmonie sentimentale que vous recherchez ici très clairement. C'est du costaud, mes amis Lions. Il y a un changement là, je vous explique pas. Au dos, qu'est-ce que l'on a ? On a le tournant positif. Waouh ! On a le tournant positif, on a la maison et on a la fusion. Il y a un engagement très, très important qui peut se produire ici. Il y a un changement positif. Il y a ici... ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve, vous avez pris du recul, vous allez prendre du recul, vous allez apprendre des choses. Il y a eu beaucoup de réflexions pour moi ici au niveau du côté sentimental par rapport à votre relation ou cette nouvelle rencontre. Mais il y a des choix de stabilité qui ont été faits. Vous choisissez la stabilité, vous choisissez la fusion, vous choisissez ici d'être dans la sécurité. D'accord ? Donc, il y a une connexion ici très importante pour moi avec une personne qui vous tient à cœur, une personne qui est importante pour vous, une personne qui va rentrer dans votre vie. D'accord ? Il y a cet aspect de changement, comment vous dire ? En fait, on n'arrête pas de me montrer une roue qui tourne, une roue qui tourne, une roue qui tourne, mais à un moment donné, il va falloir que ce soit vous qui preniez cette roue. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si l'univers vous présentait des possibilités, vous présentait un équilibre, vous présentait la possibilité d'être dans le bonheur, en fait, et c'est comme si vous peignez à actionner, pardon, cette roue qui tournait. D'accord ? À un moment donné, il va falloir mettre l'action en place. Il va falloir vous positionner, il va falloir faire des choix, il va falloir acter si oui ou non vous souhaitez cette harmonie, vous souhaitez ce partage. La balle est dans votre camp. Eh bien, vous êtes énormément accompagnés, mes amis Lions, hein, par vos êtres spirituels, par vos guides, par vos anges, par le monde spirituel, appelez-les comme vous voulez, peu importe. Mais je peux vous garantir qu'ils sont derrière vous et qu'ils vous lâchent pas. Oh, c'est juste magnifique. Allez, on continue, mes amis Lions, sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur cette période ? Alors, déjà, on a le nom. Ok, pourquoi le nom est vide ? Qu'est-ce qui se passe ? On a la campagne, ok. Vous avez besoin de repos, là. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous mettre au vert, ok. Vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport à une situation. Vous avez besoin ici de faire une pause. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, il y a les nouvelles. Vous avez besoin de faire une pause. Pourquoi ? Il y a peut-être une période ici de transition, aussi au niveau professionnel, c'est ce que je ressens, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles très importantes ici au niveau pro, des nouvelles... comme si vous aviez demandé quelque chose. Moi, pour moi ici, il y a des Lions qui ont demandé une promotion, qui ont demandé ici un nouvel emploi, qui ont postulé quelque part. On me dit que sous un mois, vous allez avoir une réponse très positive puisqu'on a le contrat à durée indéterminée. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, ça m'étonne pas parce que vu le changement qu'il y a au niveau émotionnel et général, ça va de pair de toute façon avec le professionnel. C'est lié. À partir du moment où il y a un changement qui s'amorce au niveau de votre vie, ça s'amorce dans tous les domaines généralement. Et c'est pour ça que c'est souvent difficile
Parce que oui, ok, on me confirme la guidance. Merci. En fait, c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'en fait, ça inclut énormément de domaines. Et parfois, c'est lourd, ce changement. Parfois, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de réflexion. C'est des épreuves et c'est des apprentissages qui sont importants. Ici, les personnes qui attendent une réponse, la réponse, elle est oui, elle est à venir sous un mois. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul, prendre du repos, justement, avant de commencer quelque chose de nouveau. Il y a des écrits qui arrivent vers vous, il y a des nouvelles importantes qui arrivent vers vous en fonction d'une situation. Ça peut être au niveau d'une promotion, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être au niveau de quelque chose que vous avez vraiment actionné au niveau professionnel. On me dit que pour certains, vous êtes dans une période d'inactivité. C'est normal puisque vous êtes dans cette phase de transition. On me dit pour d'autres qu'à venir sous un mois, il est possible qu'il y ait des choses qui changent au niveau professionnel et qui enclenchent justement cette période d'inactivité. Pour certains, on me dit ici, attention au ragot et à la jalousie au niveau professionnel. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas du tout dans la bienveillance, qui sont plutôt dans les ragots. Mais on me dit que vous allez avoir un succès par rapport à ça. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être dévoilées, mais ça va se retourner contre ces personnes-là, en fait. Vous voyez, c'est en même temps, on peut pas créer des choses négatives sans recevoir le négatif à un moment donné. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on me dit qu'il y a un succès. Quand même, par rapport à ça, il y a un équilibre qui va être revenu. C'est comme si vous alliez avoir de la renommée par rapport à ça, justement. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ces personnes-là. Ouais. Il y a beaucoup de mes amis lions ici qui ont besoin de recul, hein, qui ont besoin d'une pause, peut-être pour faire un choix, justement, par rapport à des nouvelles qui vont arriver au niveau professionnel, par rapport à ce changement d'emploi, par rapport à cette création d'entreprise, par rapport à cette période d'inactivité, de transition que vous êtes peut-être en train de vivre. Ouais, vous allez tout droit vers le succès et vers la renommée, c'est exactement ce que je venais de dire. Donc ne vous inquiétez pas ici mes amis lions, si vous êtes peut-être en difficulté, si vous êtes peut-être soumis à des personnes qui sont pas du tout dans la bienveillance, on me dit que oui, le succès arrive vers vous, que des choix vont être faits, qu'au niveau professionnel vous allez pouvoir mettre en place des choses. Il y a un CDI à la clé, à venir sous un mois, il y a énormément de choses qui vont s'équilibrer, notamment par rapport à ces personnes-là ou par rapport à une période d'inactivité. On me dit qu'il y a des nouvelles écrites qui arrivent vers vous. On me dit ici, par rapport au dos, qu'il y a de l'épargne, il y a de l'économie qui va pouvoir se faire, qu'au niveau financier, il y a des choses qui vont s'améliorer. On l'avait hein, dans l'oracle de Monsieur Béline, quelque chose qui allait vraiment changer au niveau du financier, on le retrouve ici. Donc pour les personnes qui sont dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place, d'accord? Mais lâchez prise et laissez vraiment le timing divin faire, parce que là, il y a une notion de contrôle qu'il faut absolument travailler chez vous, mes amis lions. D'accord? On a la jeune femme et on a l'amitié et le soutien. Ok, vous allez retrouver de toute façon beaucoup plus d'énergie légère. On peut nous parler d'une jeune femme. Ça peut être une jeune femme qui va être importante par rapport à ce renouveau professionnel. Une femme en tout cas qui est peut-être plus jeune que vous. Si vous êtes masculin ou si vous êtes féminine, peu importe. Hein, on parle vraiment ici d'une énergie féminine. Pour moi, je vois plutôt une femme plus jeune que vous. Donc, quelqu'un qui va vous aider justement dans cette transition. Ça peut être par le biais d'un entretien. Ça peut être par le biais ici d'un rendez-vous que vous allez avoir par rapport à cette période d'inactivité, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, par rapport à ce CDI, par rapport à cette transition en fait que vous êtes en train d'acter, que vous êtes en train de vivre ici, mes amis lions. On me dit que vous êtes énormément soutenu par des amis, vous avez des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider à avancer. C'est peut-être justement une amie proche de vous ici qui va vous aider dans cette transition professionnelle, d'accord? Donc vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Moi, pour moi, il y a une évolution ici très importante. On me le dit bien, hein, de toute façon, qu'à venir sous un mois, il y a du succès, il y a de la renommée à la clé. Donc les choses vont s'enclencher. Tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, sur cette quinzaine, il y a des choses qui vont commencer à s'enclencher. Vous allez le percevoir, hein, vous allez commencer, je pense, à le toucher du doigt. Pour ceux vraiment qui sont dans ce cas-là, vous allez comprendre effectivement ce qui va se passer sur la quinzaine à venir. Magnifique, mes amis lions. Eh bien, c'est très, très beau. Moi, j'adore. Ok, on a le printemps qui est tombé, donc il y a bien un renouveau, il y a bien un nouveau départ ici qui se présente pour vous, il y a bien le commencement peut-être d'un contrat ou tout simplement le commencement d'une mission de vie. Allez, c'est parti. On va terminer avec les messages de vos anges, mes amis lions. On va regarder s'ils ont un conseil pour vous sur cette quinzaine. Merci. Et la patience, magique. Alors, le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mes amis lions. Il est question ici de laisser le divin faire, de ne pas être dans ce contrôle, d'accord? Faites ce que vous avez à faire, effectivement, hein. Il faut prendre des décisions, il faut avancer, il faut acter des choses. Mais une fois que c'est fait, lâchez prise. Prenez du temps pour vous, prenez du temps de plaisir peut-être avec votre famille, avec votre conjoint, avec cette nouvelle personne. Accordez-vous du temps pour vous, accordez-vous cette patience, accordez-vous que les choses tout simplement se feront de toute façon dans le timing divin. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça que ça se passe. Mes amis lions, je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup pour cette écoute, merci beaucoup à nos guides pour ces merveilleux messages et on vous dit à très vite. Au revoir.